Wow. Madame et monsieur, bonjour et bienvenue sur ce bar. En dessous, c'est de tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et en cliquant sur ce bouton, vous pourrez avoir accès à notre page d'accueil. Vous verrez notre chaîne. Abonnez-vous là-bas pour nous soutenir. C'est extraordinaire. Dans la vidéo précédente, on vous a dit que nous ferons cette vidéo-là. Juste pour vous parler des choses et vous montrer des choses hors du commun. Ce que vous allez voir ici, c'est pas pour les enfants. Soyez prêts. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Savez-vous, les frères et sœurs, qu'il existe la musique du démon? Déjà, si vous avez regardé le témoin puissant précédent jusqu'à la fin, vous êtes déjà informé, vous avez quelques informations. Si vous n'êtes pas regardé, ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo va apparaître ici. Et vous avez juste à cliquer là-dessus, vous verrez, là, vous voyez une femme jolie, mais c'est une sirène. Dans ce témoin puissant, nous avons appris des choses terribles sur ce que certaines personnes font pour pouvoir enrichir la musique ou encore pour que leurs chansons aient du succès. On a appris que la plupart du temps, les démons sont invoqués dans les chansons des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi. Réponds à ma question, tu écoutes la musique comme moi, regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un casque. Mais on nous dit que les démons sont invoqués pendant que les gens sont en train de chanter. Mais pourquoi? C'est tout simplement parce que dans la musique que vous êtes en train de même écouter là, dans la chanson là, il y a un piège. Et ce piège là, c'est une incantation que d'autres comprennent et d'autres pas. La plupart des gens ne savent pas cela et ils se mettent à acheter n'importe quelle musique, n'importe quelle chanson sans savoir qu'il y a un piège. Aujourd'hui, on nous parle des messages subliminaux. Des messages subliminaux, ce sont tout simplement des messages cachés qui sont à l'intérieur, qui agissent sur le subconscient des gens pour les pousser à faire des choses bizarres. Selon que ceux qui l'ont mis là veulent qu'ils agissent de la sorte. Et quand on parle des incantations de la musique, ce sont des appels aux démons. C'est-à-dire que toi, tu chantes la chanson et tu appelles le démon. Tu lui demandes, tu appelles le démon, tu dis viens. C'est comme une chanson qui était sortie, qui était même en tendance. Ça ne fait même pas 2 mois. Dans la chanson, dans le refrain, il est écrit I am a witch. I am a witch, alléluia. I am a witch. I am a witch, alléluia. Cette personne qui dit qu'elle est sorcière et elle est sorcière et elle en gloire à Dieu. N'as-tu pas vu ça? Peut-être que tu as vu, mais tu n'as pas remarqué. Mais moi, j'ai vu ça de mes yeux. Cette chanson était en tendance. Ça veut dire que des millions de personnes l'ont vu. Et peut-être ont répété ça aussi. Oh! Quand quelqu'un dit qu'elle est sorcière, quand une personne dit qu'elle est sorcière, elle ne dit pas pour rigoler ou pour faire le buzz. Elle le dit parce que c'est vrai. Et elle veut transmettre cette énergie-là à tous ces fans ou à toute personne qui décideront de répéter ce genre de choses et s'accrocher à cette chanson. Et tous ceux qui vont répéter ça avec force, avec vie, toutes ces personnes-là vont recevoir l'esprit de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ça existe. Et derrière la sorcellerie, il y a un esprit. Et cet esprit-là, c'est un démon. Et c'est la sorcellerie que les gens font de la musique aujourd'hui. En fait, les gens lancent des sorts sur les champs. Les gens lancent des sorts sur les champs. Maintenant, toi, tu peux penser que c'est de la blague.
Tu peux penser que tout ce que nous sommes en train de raconter là, ce sont des histoires. Il y a une surprise pour vous. Attendez. La surprise là. La surprise là. Que nous allons vous montrer là. Elle se trouve ici. Mais attendez d'abord, nous allons vous expliquer certaines choses avant d'arriver jusqu'à là, ok? C'est parti. Yeah! Je suis allé voir les vidéos en tendance. Et moi, j'ai regardé les vidéos en tendance et j'ai vu l'image et la miniature d'une vidéo. Ça, je me suis dit que bon, puisqu'il y a des millions de vues, je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. C'est quoi le clip? Et j'ai appuyé sur play. J'ai appuyé sur play et puis j'écoutais la chanson là. Sans regarder le clip, sans même voir ce qu'est dans le clip. Hein. J'écoutais juste le son. Mes frères et sœurs, le son est propre, faut pas se mentir. Le son est propre, le son est propre. L'instru est hors du commun. Ah! C'est joli. Je l'ai écouté une fois. Je l'ai écouté deux fois. Sans même, j'étais écouté sur le corps pour voir ce qu'il y a à l'intérieur ou ce qui se passe là-dessus. Je l'ai écouté encore une troisième fois. La quatrième fois, j'ai vu quelque chose de vraiment étonnant. Ça m'a étonné. J'ai dit, mais attends, c'est quelle chanson c'était d'écouter là depuis? Quelle est cette musique que c'était d'écouter là depuis? Il faudrait même que je jette même un coup d'œil même sur le cas pour voir ce qui se passe. Et c'est là, moi, quand je suis retourné sur le lit, j'ai appuyé sur play. Mais pas seulement en écoutant le son seulement, mais en regardant le clip aussi. Et c'est là que je suis tombé sur des trucs terribles. J'ai écouté la chanson en entier pendant peut-être, bon, on peut dire 2-3 fois. La chanson fait 2 minutes 56. Je l'ai écouté en entier 2-3-4 fois, peut-être 5 fois, peut-être 6 fois, parce que le son était ouh. Mais quand j'ai regardé le clip, j'ai arrêté d'écouter le son en même temps. Je vous assure, j'ai arrêté d'écouter le son. Parce que le clip, parce que ce qu'elle était hier, c'est du sale. Il y a l'envoûtement aujourd'hui dans les chansons. Dans les clips, des sorts sont lancés. Dans la sorcellerie, là. Pour pouvoir maudire les gens. Vous savez ce que certaines femmes sorcières font? Est-ce que vous savez? Nous allons vous expliquer. Elles se mettent nues. Et puis, elles montent les fesses. Elle se coupe et elle monte les fesses. Tous ceux qui vont regarder et qui verront ses fesses, ils vont prendre le coup. Ils seront fléchés. La flèche va descendre chez eux. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les clips. Oui. Comment ça se matérialise? Voici comment ça se présente. Tu vas regarder un clip et tu vas voir une femme en train de danser. Et cette danse a même un nom. Cette danse s'appelle le twerk. Et ça se danse avec les fesses. Et la plupart du temps, les femmes qui les dansent, elles sont sexy. Elles sont sexy, sont obligées. Sont obligées. Sinon, on ne saura pas ce que tu es en train de faire. Il faut que le pagne ou bien le vêtement qu'elle porte là, ça sert carrément le postérieur pour que nous puissions voir, pour qu'on puisse voir. C'est fait exprès. Si vous pensez que les gens sont là pour rigoler, pour vous offrir les choses, pour vous faire plaisir, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Quand une femme porte des vêtements sexy, devant le diable, devant les démons, même devant Dieu, elle est nue. C'est être nue. Et le diable veut mettre les gens nus pour lancer des sorts sur les champs. Maintenant, si vous pensez que c'est de la blague,
Vous allez voir. C'est pas, je pense pas que ce soit toutes les choses que nous allons voir, que nous allons voir ici, que nous allons montrer. Parce qu'on va vous cacher certaines choses parce qu'il y a des enfants aussi qui nous regardent. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec nous, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui! Ok. Bon. Vous allez voir. Nous allons. Je suis en train de regarder. Le portable est là. Et je regarde. Oh 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 oh. J'ai raté quelque chose. Oh 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 oh. Quand le clip commence. On met la distance. Quand le clip commence, on voit une personne comme ça. Elle est en train de danser. Déjà, à distance, vous pouvez voir que. Je regarde bien pour ne pas vous mentir. Vous voyez que c'est réel. On peut voir ses seins. Si nous avons éloigné, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Je ne veux pas que vous tombez sur ça ici. Et on voit ces seins qui sont déjà exposés. Ça veut dire que ce qui va venir là. Ça veut dire que ce qui va même venir là. Elle attend même ce seins. Oh, oh non! On voulait vous montrer ça. Oh, c'est encore passé. Ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous montrer. Les choses terribles auxquelles on assiste, qui vont même vous amener à comprendre tout ce que nous sommes en train de vous dire là. C'est ce que nous allons montrer. Regardez. Une femme qui avance et qui attrape ses seins. Oui, ce sont ses seins. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette nouvelle manière de danser où on s'appuie en soutien-gorge, en slip, et on attrape ses seins comme si on était un super-héros. Tu vas l'appeler un super-héros sexy. Eh bien, j'avais su ou quoi? Bon, vous allez voir. Voilà. Et si vous pensez que c'est de la barre, regardez. Tout ça, regardez à distance. Nous sommes dans un monde dangereux. Les enfants peuvent tomber sur ça. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire que ça, là, si vous voyez ça déjà, là, sachez où vous êtes. Mais vous ne pouvez pas regarder ça longtemps. C'est juste des preuves pour vous amener à croire à tout ce que nous sommes en train de vous dire. C'est pour que vous puissiez croire, regardez, à tout ce que nous sommes même en train de vous raconter ici. C'est réel. Elle vous donne même des bises. Regardez, et puis vous allez voir, voilà. Vous allez voir, voici comment les gens dansent. Oh, vous n'avez pas vu. Vous allez voir. C'est dans ce même qu'on appelle le twerk là. Regardez, regardez bien, regardez. Voilà, 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 voilà. Ça, ce sont des sorts qui sont lancés sur les gens. C'est des danses, on ne danse pas. Toi, tu danses n'importe quoi parce que tu te dis que tu es joli. Tu te dis que tu es choco. Le twerk, c'est une danse qui vient des démons direct. Adapté à la musique des démons ou encore la musique du démon et les instruments. Nous sommes même dans un monde dangereux. Tu regardes juste un clip comme ça et toi on te lance la bénédiction. Des flèches même descendent dans ta maison, tu ne sais pas comment ça se passe. Ton problème aujourd'hui là, c'est parce que tu écoutes n'importe quelle musique. Ton problème aujourd'hui, c'est parce que tu es en train de recevoir des malédictions. Tu es des personnes que tu penses qu'elles t'aiment. Il y a des choses qui sont maintenant visibles. Si vous regardez une personne que vous dites, vous l'aimez, et dans même son clip, où cette personne passe l'habitude à vous montrer ses seins, comme ça, ses seins dans les clips. Ne vous dites pas que cette personne vous aime. Elle est en train de vous maudire. Elle est en train de vous pousser à pécher. Et regardez juste. J'ai regardé encore. Comment elles sont positionnées. Elles sont obligées de se courber sur des voitures. Comme ça. J'espère que vous ne voyez pas. Hein. Regardez. On peut dire qu'elles sont nues. C'est de la pornographie à ciel ouvert. La pornographie à ciel ouvert. C'est pas un hasard. Pour les satanistes, il faut faire du sale. Pour les vrais chrétiens, il faut être saint pour plaire à Dieu. Parce que Dieu est saint.
Donc, imaginez ce que ces gens-là vont faire pour pervertir la société. Imaginez ce que tous ceux qui appartiennent au diable vont faire juste pour vous mettre dans les problèmes, vous mettre dans le trou. Peut-être que toi, tu ne sais pas tout ça. Si tu n'es pas au courant, nous faisons cette vidéo pour confirmer le témoignage puissant que tu viens de recevoir. Si tu vois un artiste avec une tête de mort sur son vêtement et que tu vois qu'il a l'habitude de le faire et il le fait, il le fait à chaque fois, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. C'est la musique du démon. Ça, c'est juste un petit signe que nous avons envie de vous donner dans cette vidéo. Juste pour que vous puissiez voir. Je n'ai pas regardé le clip en entier. Mais je préfère ne plus regarder. Regardez, je vais me poser. Je vais fermer, je vais fermer. Écoutez, je vais fermer. Je ne peux pas tout vous montrer ici. Je ne vais pas regarder jusqu'à la fin. Si je vous montre ça, c'est parce que c'est ce qui s'est passé que je vous ai expliqué. Et ça s'adapte à tout ce que nous sommes en train de vous dire. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, toi, si tu regardes un clip, et puis tu vois une femme qui monte ses fesses et ses seins gratuitement comme ça, ne pense pas que ce soit fait gratuitement. Cette personne veut te maudire, c'est ton âme qui est en danger. Arrête de regarder ça aujourd'hui. Arrête de regarder ça aujourd'hui. Et fais attention. Le témoin puissant doit apparaître ici. T'en diras long sur le sujet. Reste connecté. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes même réveillés. C'est maintenant même que nous sommes même réveillés. C'est maintenant même que le travail là, commence. Abonne-toi sur notre chaîne. Plus Yance Rebond seulement. Va sur la page à laquelle nous sommes là. Abonne-toi sur Yance Rebond 2, Yance Rebond 3, Yance TV. Et sois prêt pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous.